Salut les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc faites pas attention à ma tête, je suis pas coiffée du tout. Je voulais vous montrer les cartes que j'ai reçues dernièrement en post-crossing. Donc je suis désolée pour le manque de vidéos sur la chaîne, mais en ce moment c'est pas que je veux pas filmer ou quoi, mais enfin pour les vidéos post-crossing je parle, c'est que je Là, je vais arrêter depuis un mois, on va dire. J'ai arrêté d'écrire des cartes parce que, comme je pars cet été en vacances, je veux pas en envoyer puis en recevoir pendant les vacances. Donc, du coup, là, j'attends de recevoir toutes les cartes que j'ai à recevoir et après, je vais. Désolée, je vais recommencer après les vacances. Donc, je vais vous montrer les cartes que j'ai reçues. Donc, je me retourne. Donc, la première carte que j'ai reçue, c'est celle-ci. Donc, c'est une carte Harry Potter. Je vais vous la mettre là pour que vous voyez bien. Donc, elle vient de République tchèque. Donc j'aime beaucoup, je suis pas une fan de Voldemort comme vous pouvez vous en douter, mais j'aime beaucoup quand même cette photo, enfin cette photo, cette carte, parce que je connais pas en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu une carte qui vient du Japon, c'est un manchot, ouais, un manchot ou un pingouin. Et la personne me dit que c'est la saison des fleurs, des cherry blossoms au Japon en ce moment. Donc c'est pour ça, faites pas attention à mon bazar à côté là. Ça. Voilà. Ensuite, j'ai reçu une carte qui vient de France. C'est très rare les cartes de France que je reçois. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc c'est de la Bretagne. Donc c'est vers c'est où déjà? Ouais, c'est en Bretagne. Elle me dit que c'est pas très loin de Morlaix. Donc voilà. J'aime beaucoup parce que le seul endroit que je connais de la Bretagne, on va dire, c'est mince, j'ai oublié. La Vendée. Donc voilà, j'aime beaucoup les paysages. Ensuite, j'ai reçu hier trois cartes. Donc, je vais vous mettre la dernière. Alors, j'ai reçu cette carte de Disney de Belle qui vient de. Oh, j'oublie à chaque fois. Qui vient de Chine. Donc, la personne derrière m'écrit en gros en quoi les Chinois sont forts en maths. Donc, voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup Belle. Elle est magnifique. Ensuite, j'ai reçu une carte qui vient d'Allemagne où c'est en rapport avec Harry Potter. Donc, c'est la maison de Serre d'Aigle. J'aime beaucoup. Et récemment, je suis allée sur Pottermore. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et j'étais maison Serre d'Aigle. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Et ensuite, la dernière carte. Qui vient aussi d'Allemagne, c'est un éléphant de mer, mais juste regardez la tête du truc, quoi. J'ai explosé de rire hier, j'étais morte de rire. Rien que de voir la photo, franchement, j'étais morte de rire, donc voilà. Et j'aime beaucoup, j'aime pas cet animal en particulier, mais cette carte-là, je l'aime beaucoup, donc voilà. Voilà, c'est tout pour mes cartes post-crossing. Donc, comme je disais, les vidéos post-crossing, je pense, reprendront vraiment à la rentrée, dans le sens où il y aura des vidéos. Je vais aller m'asseoir sur mon lit. Elles vont reprendre. À la rentrée, je pense. Je pense que cet été, je vais acheter des timbres et des cartes parce que. En fait, là, j'essaye de liquider toutes les cartes que j'ai en stock depuis 3 ans. C'est assez dur, mais je vais essayer d'en racheter cet été en France.
des timbres aussi, parce que ça passe à une vitesse les timbres, c'est pas possible. Donc je pense qu'en rentrant de vacances, je vais acheter des timbres sur la poste.fr, mais je vais aussi en acheter là-bas en France pour en avoir un petit peu. Je verrai combien j'en achète ou pas en fonction de ce que j'ai comme sous. Faites vraiment pas attention à ma tête, je suis pas coiffée, je me coiffe pas quand je reste à la maison, c'est-à-dire la plupart du temps. Je voulais aussi vous parler de mes prochains changements sur moi-même qui vont arriver au fur et à mesure des mois. Mais j'ai décidé de prendre du temps pour moi, de me retrouver moins timide, moins réservée, parce que je suis comme ça et ça paraît peut-être pas ou ça paraît beaucoup, j'en sais rien. À vous de me dire qu'est-ce que vous pensez de moi en commentaire, ça me ferait peut-être avancer dans mon cheminement. Mais je vais faire des actions, disons, pour changer ma façon de me voir et tout ça. Donc ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent, et j'espère juste que ça va fonctionner et que je vais pouvoir retrouver une vie plus saine, parce que c'est pas une vie que j'ai en ce moment, enfin en ce moment depuis des années, mais ça empire et j'aime pas ça. Donc voilà, cet été je vous vloguerai peut-être pas forcément dans, enfin peut-être que je vous vloguerai à mon départ, mais vous aurez pas genre une parole, je voguerai juste des paysages, quoi. Je veux dire, je vais pas parler, je pense, face caméra. Surtout que ça sera avec mon téléphone, je pense que je vais voguer. Ce sera de meilleure qualité. Si par exemple je me balade ou quoi, je vous montrerai les alentours avec le téléphone. Sinon, voilà, je vous vloguerai pas forcément. Des vlogs comme je fais en ce moment, disons. Je vous filmerai pas non plus de ce que je mets dans ma valise, parce que ça change pas de à chaque été, je mets tout le temps la même chose. Donc voilà. J'avais fait l'hiver dernier parce que pour moi c'était différent de faire une valise d'hiver, mais là clairement je vais pas refaire ça. Je vous montrerai mes achats en rentrant de vacances. Par rapport au post-crossing, ça c'est clair et net. Et je pense qu'il y aura une grosse vidéo là-dessus. Il y aura aussi, je pense, des hauls. Je sais pas s'il y aura un haul vêtements, mais il y aura des hauls en fin d'année. Ça c'est sûr et certain. En tout cas, j'espère, mais je pense que oui. Et puis voilà quoi, je vais essayer de me reprendre en main et reprendre une vie saine pour les années futures, parce que c'est juste pas possible. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, du coup, hier j'ai. C'est hier? Hier on était le 15? Ouais, hier j'ai eu un dernier rendez-vous avec Passerelle Pôle Emploi, et c'est à partir de là que j'ai décidé de plus vraiment chercher du boulot en tant que tel. C'est-à-dire que je regarderai toujours sur Pôle Emploi les offres d'emploi et tout ça, si j'ai des offres qui me concernent ou si on me demande ou quoi. Mais j'ai pas vraiment. Et si je le faisais pas, mais je le faisais pas, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai décidé d'arrêter de faire, même si je le faisais pas vraiment. C'était de démarcher les entreprises pour qu'on m'embauche et tout ça.
Non pas parce que je ne veux pas travailler, c'est pas ça, mais c'est que mon problème m'empêche de faire ce genre de choses. Donc je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Je ferai peut-être une vidéo quand je serai prête à en faire une ou à en parler vraiment sérieusement. Mais voilà. Sinon, il faut que j'aille voir une dermato pour mon cuir chevelu parce que c'est juste pas possible. Je suis en train de perdre des cheveux, j'ai des trous dans certains endroits de mes cheveux où il n'y a pas de cheveux, justement. C'est le stress qui me fait ça et c'est aussi pour ça que j'essaye de prendre soin de moi parce que le stress m'envahit trop et je peux juste plus le gérer. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça et ma chaîne va peut-être être en stand-by pendant quelques mois là, c'est-à-dire mai, juin, juillet, août. Mais c'est sûr qu'elle va reprendre en août, septembre parce que j'aurai fait un haul déjà. Enfin, il y aura une vidéo haul. Il y aura le vlog de cet été si je pense à vlogger. Et puis, il y aura sûrement des vlogs ici au retour. Et puis, tout ça, tout ça. J'ai toujours une idée en tête que depuis que je suis partie en vacances, mais j'ai toujours pas fait cette idée-là. Mais je pense que je suis bloquée. Donc, il faut que je réfléchisse. En fait, j'ai besoin de temps pour moi et pour réfléchir à ma situation, tout ça. Donc, j'espère que vous me comprendrez si j'ai pas posté de vidéo ou quoi que ce soit parce que c'est quelque chose d'assez sérieux et que je ne parle à personne, même pas à vous, sachant que vous n'êtes pas beaucoup sur la chaîne et je pense que c'est aussi en raison de ma personnalité. Vous aimez peut-être pas ma personnalité, c'est ça que j'ai pas beaucoup de vues, que je pense que c'est en partie pour ça que vous aimez pas trop les vlogs, mais plus les vidéos genre post-crossing, haul. Ce genre de truc, vous préférez à les vlogs parce que ma personnalité vous plaît pas. Après, je sais pas, je vais peut-être après quelques mois, je sais pas, je vais voir, mais j'ai pensé à peut-être supprimer cette chaîne ou du moins plutôt supprimer toutes les vidéos et les reprendre sur un bon pied. Enfin, peut-être pas toutes les vidéos, mais les plus anciennes, disons. Pour essayer de retrouver des vues et tout simplement une communauté plus en rapport avec ma vraie personnalité et pas celle que je vous montre, qui est la mienne, mais elle est juste pas assez présente, je dirais. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que vous comprenez juste en regardant ma chaîne et mes vidéos. Donc voilà, sinon j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour ce vlog, il va se terminer là, hein. C'est juste que j'avais besoin de vous parler. Dites-moi ce que vous en pensez des futurs changements sur ma chaîne, des futurs changements sur moi et qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que je devrais améliorer ma chaîne, la supprimer, ne plus faire de vidéos? Dites-moi tout ça en commentaire, ça me fera super plaisir d'y répondre et de savoir ce que vous pensez vraiment de ma chaîne et de moi. Voilà, après les gens qui disent ouais, t'es. Enfin, les insultes et tout ça, je les prendrai pas en compte, je vais juste les supprimer. Donc, soyez juste indulgents et
franc mais pas non plus méchant. Donc voilà. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je voulais aussi dire un petit mot à propos de Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Je suis vraiment triste par ça parce que c'est un monument que j'ai vu quand j'étais en visite en France. J'avais peut-être 12 ou 13 ans. J'étais passée sur la Seine, j'avais vu la Notre-Dame, mais j'étais aussi allée dans Notre-Dame. C'était juste trop beau et je suis juste dégoûtée que ça soit fini comme ça. Donc j'espère qu'on pourra la reconstruire assez vite quand même. Après, c'est du matériel, mais ça fait partie de notre patrimoine. Donc voilà. Je voulais juste dire un petit mot de... Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous. Bye.